Éric Bouvet, photographe. Photographe de guerre ? Non, photographe, parce que j'aime aussi bien faire du portrait que du documentaire, que la photographie d'auteur, voire la photographie conceptuelle. Ça m'arrive, elle aussi. Donc vous êtes ici à Pau, au Parvis, pour présenter une expo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, ça représente à peu près les trois premiers mois du conflit en Ukraine, et ça s'est surtout tourné vers l'humain. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est nous, c'est nous qui nous ressemble. Donc je pense que de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que je suis tout seul à travailler. Je suis pas compétitif par rapport à tous mes petits camarades qui sont en commande pour des grands journaux, qui travaillent pour des agences télégraphiques. Donc je me dois de faire différent. Seulement, si je veux que mes images existent, je suis obligé de pratiquer cette différence. Vous êtes parti seul, donc ? Oui, comme avant. Oui. Et vous aviez une idée de ce que vous comptiez ramener comme type de... Non, on ne peut pas dire. Franchement, après, oui, aujourd'hui, j'y retournerai. J'aurai une idée bien précise de ce que j'ai envie de faire. Mais là, début du conflit, personne ne savait comment ça allait se passer. Moi, il y a une chose que j'étais sûr, c'est que Kiev ne tomberait pas parce que je connaissais l'endroit. C'est une ville qui est grande 6 fois comme Paris. Donc vous imaginez le nombre de soldats qu'il faut pour entourer Kiev, c'est au moins 500 000 au minimum, donc c'était impossible. Donc je savais très bien qu'il y avait à ce moment-là, il y avait le rouleau compresseur russe qui était en marche, mais je savais que ça n'irait pas, et c'est facile de le dire maintenant, hein, mais ça tout le monde le sait, je me suis exprimé là-dessus, qu'il y aurait un moment où ça bloquerait. Jusqu'où et comment, je ne sais pas, mais je savais qu'il y aurait... Il n'y avait pas de chance qu'il y ait une bataille dans Kiev. Et du coup, comment est-ce que vous avez choisi les lieux, les sujets ? J'ai choisi en fonction de l'actualité, du déroulement. Quand les Russes se repliaient, en l'occurrence, c'était le plus facile pour aller ensuite dans les villages où la guerre était passée. Et ensuite, c'était aussi pour continuer vraiment sur ce fil conducteur, ce fil rouge qui est toujours humain. Donc je lisais beaucoup évidemment les dépêches ou j'écoutais beaucoup la radio ou la télé pour voir ce qui se passait à droite à gauche. Parce que oui, c'est souvent le cas, les journalistes rebondissent sur des histoires d'autres journalistes.